Bonjour tout le monde, un petit tutoriel très rapidement. Aujourd'hui, nous allons voir des cas qui arrivent très souvent dans une maison. Quand on allume un interrupteur, des fois, ça grésille. Pourquoi votre interrupteur grésille quand vous allumez votre lampe? Le grésillement d'un interrupteur peut arriver suite à plusieurs cas. C'est-à-dire, soit vous avez une mauvaise connexion à l'intérieur de votre boîte de dérivation, soit vous avez une mauvaise connexion sur votre lampe ou vos lampes, soit vous avez une mauvaise connexion sur votre interrupteur qui est ici. Pourquoi il y a ce bruit de grésillement ou de claquement? La réponse est très simple. Quand vous mettez à 1 votre interrupteur, il y a un petit appel de courant qui arrive. Si votre interrupteur qui est ici est mal connecté, ça provoque un grésillement comme un court-circuit par exemple. Par contre, quand ça arrive, je vous conseille fortement de vérifier les connexions qui sont sur votre interrupteur. Par exemple, comme ici, vous constatez que les lampes se sont éteintes. Pourquoi? Parce que j'ai un problème de connexion. Par exemple, cette manipulation est très très dangereuse. Donc, il faut éviter absolument de le faire. Par exemple, ici, si je fais une mauvaise connexion, ça me fait des grésillements. Si vous l'entendez, si vous avez un problème de connexion, votre fil qui est ici peut toucher une partie métallique de votre socle, donc ça peut créer un danger ou ça peut également faire tomber votre différentiel. Donc ici, si je remets mon fil et que j'ai une mauvaise connexion, ça va grésiller. Ça peut arriver également une mauvaise connexion dans votre boîte de dérivation ou ça va grésiller aussi. Idem sur les connexions qui sont sur vos lampes. Une mauvaise connexion peut grésiller votre lampe, votre interrupteur et au fil du temps, l'appel de courant sur vos lampes, cela va chauffer votre interrupteur et ça peut créer une étincelle et ça peut créer un incendie. Il faut faire très très attention. Dès que vous entendez votre interrupteur grésiller, il faut directement trouver la source pourquoi il grésille. Soit c'est un problème de connexion qui est sur votre interrupteur, soit c'est un problème de connexion dans votre boîte de dérivation ou sur vos lampes. Ce qu'il faut savoir, c'est que une mauvaise connexion en électricité, ça provoque des étincelles. Et c'est l'étincelle qui est provoquée par une mauvaise connexion qui provoque un incendie. Donc il faut faire très attention sur ça. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.